Allô? Ah, voilà. Bon, j'ai eu un petit souci avec le micro. Bah, décidément, les petits pépins techniques, c'est devenu légion chez moi, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça y est, normalement, nous y sommes. Bah, tout d'abord, salut à tous. Comment vous allez, mes chers amis? Comment vous allez, pour ceux qui rejoignent le stream à l'instant? Bon, bah, décidément, les petits soucis techniques, j'en ai depuis, depuis cet après-midi. J'ai des petits soucis, malheureusement. Mais bon, c'est des choses qu'il faut que je règle très 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 rapidement. Mais voilà. Donc normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Les petits soucis techniques devraient être résolus. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. Bon, comment vous allez, mes chers amis? Eh oui, ce soir on se retrouve sur Volta TV pour une nouvelle soirée de compétition, une nouvelle soirée F1 puisque nous en sommes à la quatrième manche du championnat LF1. Donc la quatrième manche est le Grand Prix d'Espagne parce que oui, nous allons partir en Espagne pour suivre ce Grand Prix, le quatrième Grand Prix de la saison en Division 1. J'en perds mon français. Tellement que je suis ému par les différents bugs que j'ai eu. Non, je déconne. Bon, c'est vrai que j'ai eu les petits soucis qui m'ont pas mal emmerdé. Mais bon, apparemment, c'est revenu à la normale. Et j'espère que ça sera ainsi durant le reste de la soirée. Donc voilà, du coup, ce soir, on part pour une nouvelle soirée de F1. Donc c'est comme je le disais à l'instant. Oui, je sais, je me répète souvent, je suis très chiant. Je vous comprends, mes chers amis. Je suis très très chiant. Mais voilà, du coup, on part sur la quatrième manche de ce championnat LF1. Ce soir, c'est la Division 1. Que ce soit la Division 1 comme la Division 2 demain soir, bien évidemment, ça sera le Grand Prix d'Espagne pour les deux divisions. Donc voilà, il est 20h49. Alors, je vais quand même vérifier de mon côté si je n'ai pas reçu une invitation pour venir sur le jeu. Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu d'invitation. Donc, je vais attendre un petit peu. Par contre, où est la télécommande pour augmenter le son du casque? Parce que là... Hop. Ah bah, je suis déjà à fond. Ah merde. Ok, je vais faire comme ça. Bon, je vais faire un petit réglage au niveau du son. Voilà. Parfait, comme ça au moins vous avez encore le son de la musique et moi je n'aurai pas le son en doublon. Salut à toi Z-Force. Comment tu vas mon cher ami? Pour l'instant, je vois que c'est plutôt tranquille, mais en même temps, la course elle commence pas tout de suite. Et je vous avoue que je suis dans une petite forme là depuis hier après-midi là, entre les douleurs lombaires, les douleurs dans les mollets, bon forcément j'ai les muscles qui tirent pas mal, surtout que j'ai joué hier matin en match de championnat en UFOLEP, donc forcément ça tire pas mal sur les muscles. Et bah du coup mes chers amis, ce que je vais vous proposer, je vais laisser la musique tourner vite fait. Parce que forcément, ce titre-là, Sanctu de Blur, forcément, c'est un son que je kiffe beaucoup. Voilà. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, on va regarder justement les résultats de ce qui s'est passé en Division 1 et en Division 2 dans ce championnat LF1. Écoute, mon cher Z-Force, comme je l'ai expliqué, je vais plutôt bien. Bon, je suis dans une petite forme. Voilà. Alors je vais pas dire que je suis en méforme, mais c'est vrai que là c'est vrai que je suis pas en grande forme. J'ai l'impression que je suis pas en grande forme ce soir. Mais bon, va falloir que dans tous les cas va falloir que je me mette un coup de pied au cul. Parce qu'il y a une course à commenter. Donc voilà, du coup ce soir, Grand Prix d'Espagne pour cette quatrième manche du championnat LF1, que ce soit en division 1. Comme en Division 2, je rappelle la Division 2 c'est demain soir et ce sera à suivre sur la chaîne Twitch de la LF1.
Je vais quand même vous montrer les résultats de la division 2 pour commencer. Alors, il y aura certainement des trucs à dire parce qu'il y a eu des petites modifications qui ont été effectuées sur le classement définitif du championnat. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Si j'arrive à avoir les résultats, normalement c'est bon. Du coup, je vais quand même d'abord commencer par la division 2. Donc avec les résultats de la course qui a eu lieu la semaine dernière, c'était la troisième manche du championnat. Et on était parti du côté des États-Unis et plus précisément du côté de Austin pour la troisième manche du championnat LF1. Donc je vais d'abord commencer par la division 2. Alors il faut savoir il y a peut-être quelques petites erreurs qui se sont glissées par-ci par-là. Mais voilà. Donc ça peut être possible. De toute façon, j'apporterai quelques précisions sur le classement parce qu'il y a du changement. Salut à Drounet qui rejoint le stream. Salut Grounet. Salut Enigma. Salut à tous. Salut à tous ceux qui reviennent et qui rejoignent le stream à l'instant. Et merci pour le follow, Drounet. J'avais pas fait gaffe. Merci à toi pour le follow, mon cher ami. Bienvenue sur Volta TV. Et voilà, du coup, les résultats de la course principale de cette troisième manche. Alors je dis course principale parce que la semaine dernière, il y a eu deux courses. Il y a eu la course sprint et la course classique. Malheureusement, pas de tableau pour la course sprint. Mais bon, c'est pas très grave. On va s'attarder principalement sur le tableau des résultats de la course principale avec la victoire de Colonel qui devance Blazer Time qui termine deuxième et Guigui complète le podium. La quatrième place, elle est pour le pilote Williams Mig ou Migo. Je ne sais pas si c'est Migo ou Mig. Je suppose qu'on dit Mig tout simplement parce que c'est Mig 08 peut-être. En tout cas, il termine quatrième devant Rengan. Le pilote Alpine qui est cinquième et qui a le meilleur chrono de cette course principale avec un chrono de 1:38,055. Ensuite, en sixième position, nous avons Nextiz, le pilote AlphaTauri qui termine en sixième position. À la septième place, nous avons Jojo, le pilote Alfa Romeo, suivi de Z-Force à la huitième position pour le pilote McLaren. Fast Gato, pardon. Le coéquipier de Rengan termine 9e du classement. Boyen, le pilote Mercedes, termine 10e, suivi de Dave en 11e position pour le pilote de la Scuderia Ferrari. Charlie ou Charled, je ne sais pas si on dit Charled ou Charlide, il termine 12e, le pilote Haas, suivi de Tigrou, le pilote Red Bull qui termine 13e. Dubsa ou Dubsa. Je pense que Dubsa, c'est plus joli, je trouve. Pilote Alfa Romeo qui termine 14e. Ensuite, on a Sock, le pilote AlphaTauri qui termine 15e. Et Bibi. Oula, pardon. Pardon, pardon, pardon. Bibi, le pilote Mercedes qui termine 16e du classement de cette course principale. On va regarder le classement pilote parce qu'il y a des choses à dire. Puisqu'il y a eu des modifications qui ont été apportées. Alors, vous ne les voyez pas, les modifications, mais vous inquiétez pas, moi je les ai sur mon écran. D'ailleurs, je viens de recevoir à l'instant l'invitation de noces. Hop, normalement, ça devrait être bon. Le classement de cette division 2, le classement des pilotes, parce qu'il y a eu du changement au niveau des points, normalement. En ce qui concerne la première place, Colonel, il est leader de cette division 2 avec 59 points. Ça, c'est bon, ça ne bouge pas. Par contre, pour la deuxième place, ça a bougé pour Rengan, puisque normalement il était à 55 points. Mais après rectification, il est finalement à 40. Non, il n'est pas à 40, il a 51 points. Donc il a 4 points de moins par rapport au classement que vous voyez à l'écran. Blazer Time, il est troisième avec 42 points, ça ne bouge pas. Boyen, quatrième du classement, le pilote Mercedes, il est désormais à 37 points et non 36. Donc il a un point de plus. Ensuite, en cinquième place, nous avons Enigma avec 26 points, ça ne bouge pas. Nextiz, le pilote AlphaTauri, qui est sixième avec 25 points et non 23. Donc du coup, 2 points de plus
pour Nexties, qui est désormais à 1 point de Enigma. La 7ème place, elle est pour Jojo, le pilote de l'écurie Alfa Romeo. J'ai cherché le nom, en plus j'ai le logo sous les yeux. Donc 22 points du coup, 22 points pour le pilote Alfa Romeo, donc 2 points de plus, donc il n'a pas 20 mais 22. Ensuite en 8ème place nous avons Fast Gatto, le pilote Alpine, qui est à 17 points, donc il a 1 point de moins que par rapport au classement que vous voyez à l'écran. Pour DAV, pas de changement, il est bien 9ème avec 17 points. Thion ou Sion, je sais pas comment on prononce ton blaze, mon frérot. Je vais dire Thion, je pense. Voilà, Thion qui pilote pour Red Bull. Il est 10ème du classement avec 16 points. Donc ça ne bouge pas. Mig, 11ème avec 15 points. Ça ne bouge pas non plus. Tigrou qui est 14ème. 12ème, pardon. Mig, il est 11ème. Tigrou, 12ème. Avec 11 points, ça ne bouge pas. Xav, pilote de l'écurie Aston Martin, 13ème avec 8 points, pareil, ça correspond. Z-Force, 14ème avec 4 points, ça ne bouge pas non plus. Tout comme Charled, 15ème, le pilote de l'écurie As. Ensuite, on a Dubsa, pilote Alfa Romeo, qui est 16ème avec 3 points, donc ça ne bouge pas non plus. Je crois que ça ne bouge pas non plus jusqu'à la 20ème place. Donc on a Chouche qui est pilote McLaren qui est 17ème avec 2 points. Ensuite on a Sock, pilote AlphaTauri, 18ème. Pardon, il est 18ème Sock avec 2 points. Tout comme Rex Chien, le pilote As, 19ème. Et Bibi, le pilote Mercedes, qui sont 20ème. Donc ça, pour le coup, ça ne bouge absolument pas. Ensuite, le classement constructeur. Parce que là aussi, il y a du nouveau au niveau du classement constructeur. Je vais vous donner les petites modifications qui ont été apportées. Malheureusement, vous ne les voyez pas sur le stream. Malheureusement, c'est normal parce qu'en fait, le tableau, il avait été déjà fait avant la mise à jour des classements pilote et constructeur. Donc Ferrari, 76 points. Ça ne bouge pas. Ça, c'est bon. Par contre, Alpine, deuxième du classement, donc toujours deuxième, mais non plus avec 73, mais avec 68 points. Donc, moins 5 pour Alpine, du coup, avec la mise à jour. La troisième place pour Williams, ça ne bouge pas, 57 points, c'est toujours good. Tout comme Red Bull, quatrième, avec 48 points. Mercedes récupère un point de plus à la cinquième place, ils sont à 39 et non à 38. Pour la 6ème place, ça ne bouge pas. Aston Martin, 34 points, c'est toujours bon. AlphaTauri, ils ont 2 points de plus désormais, ils sont à 27 au lieu de 25, ils restent toujours 7ème. Alfa Romeo récupère 2 points également puisqu'ils sont désormais à 25 et non à 23. Pour Haas, 9ème et McLaren, 10ème, ça ne bouge pas, 14 et 6 points pour les deux écuries qui sont dans le fond de grille de ce classement des constructeurs de la division 2. Et sans plus tarder, mes chers amis, on va passer aux résultats de la course principale de la troisième manche en division 1. Je regarde, faut bien te suivre un moment avec tous les lives de qualité que tu nous fais. Bah, merci à vous, mes chers amis de la LF1, et bienvenue à tous les petits nouveaux qui rejoignent à l'instant le stream. Donc là, je vais vous donner les résultats. Les résultats qui me semblent sont définitifs normalement. Résultat de la troisième manche de la division 1 avec la victoire de William, le pilote de l'écurie Ferrari, qui termine premier devant Aosta, le pilote de chez Alfa Romeo, qui termine deuxième de cette course. Ensuite, on a Carlsson, le pilote Alpine, en troisième position, donc il complète le podium. Et ensuite, en quatrième position, nous avons Valou, le pilote de l'écurie Ferrari, qui devance Nos, le pilote de l'écurie Williams, en cinquième position. Grosjean termine sixième finalement, donc je pense que c'est dû aux pénalités s'il y a eu du changement. Il me semble que c'est ça, hein. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble qu'il y a eu des pénalités qui sont tombées.
d'où la raison pour laquelle il y a eu des modifications qui ont été apportées au classement. Donc, de ce que je vois, Grosjean serait 6e. Ensuite, on a les deux As qui sont 7 et 8e, à savoir Tutur et Bibi. En P9, nous avons Kamui, le pilote de l'écurie AlphaTauri. En P10, nous avons Discret, le pilote Williams, suivi de Tortoise, le pilote de chez Red Bull, en P11. Ensuite, en 12e position, ou P12, nous avons Shinoda de l'écurie Aston Martin, qui devance son coéquipier Red Hawk, qui termine 13e. Ensuite, la 14e place, elle est pour Lionel de chez AlphaTauri. D'ailleurs, Lionel, meilleur chrono de la course principale, 1:36.860. Ensuite, en 15e place, nous avons Stefu de chez Mercedes. En 13e, non, 16e place, pardon, nous avons Dave. D'ailleurs, Dave a fait les deux courses la semaine dernière en division 1 et division 2. Dave, qui est pilote réserve, qui est pilote réserviste pour la division 1, puisqu'il roule principalement en division 2. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure sur les résultats de la division 2. Donc 16e place pour Dave, le pilote qui a piloté du côté de chez Alfa Romeo. Ensuite, on a Sunil, le pilote McLaren, 17e du classement, suivi de Dark Heroes, 18e du côté de chez Red Bull. La 19e place, elle est pour Boyben de chez Mercedes. Et la dernière place, elle est pour Scarbex, le pilote de l'écurie McLaren, donc le coéquipier de Sunil. On va regarder le classement pilote de la division 1, et d'ailleurs il y a eu aussi des modifications au niveau du classement de cette division 1. D'ailleurs je vais regarder si la course est lancée. Non, pas encore, parfait, donc je suis pas en retard, c'est nickel. Donc Grosjean qui reste toujours leader du classement des pilotes de cette division 1 avec 41 points, parce qu'il a 4 points de moins. Donc je suppose que c'est dû à une pénalité. Puisque vous le savez, les pilotes ont le droit aussi de porter réclamation dans le cas où malheureusement il y a des incidents de course durant les courses, tout simplement. Donc Grosjean, 41 points, il est premier, leader de cette division 1, devant Red Hawk, le pilote de l'écurie Aston Martin. Donc vous le voyez, Red Hawk n'est plus troisième, mais deuxième officiellement, donc avec 34 points à égalité avec Noss de l'écurie Williams. Donc Noss qui monte troisième, donc avec le même nombre de points que Red Hawk. En quatrième position, nous avons William de chez Ferrari avec 31 points. Donc ça, par contre, ça ne bouge pas pour les points de William, ça ne bouge pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, Noss qui récupère 2 points. Il récupère 2 points, Noss. Red Hawk en récupère 1. Donc, ce qui fait que respectivement Noss et William sont à 34, et du coup non, c'est Red Hawk et Noss, pardon, qui sont à 34. William, il est à 31, donc ça bouge pas. Carlsson, du coup, est désormais 5e avec 29 points. Donc Carlsson qui perd 5 points, du coup, si j'ai bien compris. Ensuite, la 6e place, elle est pour Shinoda avec 24 points. Ça, par contre, ça ne bouge pas. Ensuite, on a Stefu, 7e avec 23 points, ça bouge pas non plus. Dark Heroes est 8e avec 22 points, et non 23 désormais. Et on a la séance de qualification qui est en train de se lancer. Donc je vais me dépêcher de terminer le classement des pilotes dans cette division 1. Donc la 8e place Dark Heroes, c'est bon. Ensuite, on a Golfiste 9e avec 22 points, ça c'est bon. Ensuite, Lionel Bailey, 10e avec 20 points, ça ne bouge pas non plus. Ensuite, la 11e place, elle bouge par contre, la 11e place, parce que Valou est 11e non plus avec 16, mais 19 points. Tutur est 12e avec 18 points, donc il récupère 2 points, Tutur. Tortoise, il est 13e du classement avec 11 points, ça ne bouge pas. Mayu, il est en 14e position avec 9 points, ça non plus, ça ne bouge pas. Ensuite, on a Brocchi, le pilote Alfa Romeo, 15e avec 5 points, pareil, c'est toujours bon. Tout comme le Discret, le pilote Williams, qui est 16e avec 2 points. Et les autres pilotes sont tous
Ils sont tous à, comment dire, ils sont tous à zéro. Donc on a Noodless, on a Scarbex et puis forcément Forgame. J'ai oublié aussi de le préciser. Donc voilà, la séance de qualification qui est en train de se lancer. Du coup, donc tac, je suis en train d'activer les petites, les petits réglages. Et normalement, si tout va bien, alors normalement si tout va bien pour moi, ça devrait être bon. J'ai pris un petit peu de retard parce que malheureusement j'ai eu des petits soucis. Malheureusement j'ai eu des petits soucis avec OBS, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de retard. Donc voilà la séance de qualification qui est en train de se lancer, mes chers amis. D'ailleurs, je vais faire un truc. Voilà, parfait. Comme ça, je vais pouvoir mettre, ou plus moins, du moins changer l'écran. Normalement ça va être bon. Voilà, c'est parfait. Normalement c'est bon, l'image est revenue, mes chers amis. Et là, par rapport à la semaine dernière, on revient sur une organisation classique. On revient sur une organisation plus classique des soirées de F1, puisque la semaine dernière nous étions sur une, il y a eu une séance de qualification de 1 tour suivie d'une course sprint de 10 tours et forcément la course principale qui a duré comme d'habitude 50%. Et là, on revient à une organisation plus classique avec une séance de qualification de 18 minutes suivie de la course principale. Et du coup, l'occasion pour moi de changer de scène pour mettre l'écran en principal. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, pour le moment, c'est Aousta qui est en train d'effectuer son tour de sortie. Donc, il est en train de faire. Alors, c'est même pas un tour de sortie, c'est son premier tour chrono. Pour le pilote Alfa Romeo. Donc vous le voyez, il y a 18 pilotes qui sont déjà en piste. D'ailleurs, Mig, le pilote McLaren, qui effectue le premier chrono de cette séance de qualification. 1:19.985 pour le pilote McLaren, qui laisse les pilotes les plus rapides passer. Et ça, c'est normal. Et attention, parce qu'il perd sa première place, le pilote McLaren. C'est Tortoise. Oh bah décidément Tortoise qui n'a plus levé la première place. Le pilote Red Bull, il est deuxième, même troisième, pardon. Troisième avec un chrono de 1:19.706. Il est quatrième désormais parce que Lionel Bailly est devant lui avec un chrono de 1:18.976. Golfist, le pilote de l'écurie A, c'est troisième avec un chrono de 1:18.302. On a Discret qui est deuxième désormais avec un chrono de 1:18.224 et Aousta qui récupère la première place avec un chrono de 1:18.72 pour le pilote Alfa Romeo. Donc là pour l'instant on est en pleine séance de qualification. Donc les pilotes qui sont en train de faire leur chrono. D'ailleurs j'ai pas vu, il y avait Mayu qui a fait son premier chrono. Il est 7ème avec un temps de 1:19.007. Et il perd la première place à Aousta aux dépens de William, le pilote Ferrari, qui du coup est désormais premier avec un chrono de 1:17.404. C'est le premier pilote à descendre sous la barre des 1:18 dans cette séance de qualification. Et je regarde s'il n'y a pas eu d'autres chronos qui ont été faits. Si, si, il y a Stefou. Justement, il est 7ème, Stefou. Avec un chrono de 1:18.676. Il est derrière Taz, son coéquipier chez Mercedes. 1:18.508 pour Taz. On a Tutur qui passe 6ème avec un chrono de 1:18.490. Et je regarde s'il n'y a pas eu d'autres chronos qui ont été effectués. Ah bah tiens, il y a Nos. Nos, le pilote William, qui a effectué un chrono de 1:17.683, ça lui permet de rester en deuxième position. Derrière William et devant Aousta. Donc je vois qu'il y a des pilotes qui sont rentrés dans les stands. C'est le cas d'Aousta, de Discret, de Golfist, de Tutur. Stefou également, tout comme Mayu, Tortoise et Mig. Il y a Kamui également qui est dans les stands. Kamui qui est du côté de chez Alpine, si je dis pas de conneries. Alors les pilotes qui n'ont pas encore effectué de chrono, nous avons Red Hawk, Valou,
Kamui, Brocky, Shinoda et Noodles. D'ailleurs, Brocky qui fait son retour ce soir. Il me semble qu'il n'était pas présent sur les deux derniers Grands Prix, à savoir le Grand Prix du Canada et le Grand Prix des États-Unis. Du coup, il fait son grand retour ce soir sur ce circuit de Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. C'est la quatrième manche du championnat. Je vais mettre sur la caméra de notre ami Lionel et on voit qu'il y a des pilotes qui sont en plein tour de sortie. C'est le cas d'Aosta. Aosta qui est en plein tour de sortie, tout comme Tortoise, Mig, Valou et Noodles. Et d'ailleurs Discret aussi est en tour de sortie. Donc là on revient sur une organisation plus classique avec 18 minutes de qualif plus la course principale à 50%. Et pour l'instant toujours pas de nouveaux chronos pour le moment. Et vous l'avez forcément remarqué sur le stream, le logo de la chaîne avec le panneau des partenaires de la chaîne qui est désormais en bas à droite de l'écran. Cela vous permet entre autres d'avoir justement le petit encart en haut à droite de l'écran qui s'affiche avec les chronos de chaque pilote. Je vois qu'il y a eu un nouveau chrono qui a été effectué par Shinoda, le pilote de l'écurie Aston Martin, qui est 6ème avec un chrono de 1:18.357. Je regarde s'il y a d'autres chronos qui ont été effectués. Bah, c'est le cas de Red Hawk qui effectue un chrono de 1:18.612. Le pilote d'Aston Martin, le coéquipier de Shinoda. Et d'ailleurs, on a Aosta qui est en train d'effectuer son tour chrono. On va se mettre sur la caméra d'Aosta pour voir si ce dernier va réussir à battre le chrono de William. Et hein, j'ai vu qu'il y avait une McLaren qui était sur le côté, puis une autre monoplace. Alors je sais pas c'est laquelle exactement, mais on va voir tout ça. D'ailleurs on va regarder ce que va faire Aosta, notre ami de chez Alfa Romeo. Donc là on est dans le secteur 2, forcément le drapeau jaune dans le secteur 1 et secteur 2, c'est désormais plus le cas. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver et on voit les monoplaces qui se décalent. Hein. Les monoplaces qui se décalent quand il y a une monoplace plus rapide qu'eux. Et on va voir ce qu'il va faire à Aosta. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il avait effectué au secteur numéro 2. Et vous le voyez, ça c'est une des nouveautés aussi qui aura lieu cette saison sur le Grand Prix d'Espagne. C'est qu'il n'y aura plus cette fameuse chicane. Je sais plus c'est le virage numéro combien exactement, mais il y a des virages qui vont être supprimés, qui ont été supprimés. Donc du coup on revient à une configuration un peu plus à l'ancienne. D'ailleurs c'est même la même configuration que celle qui est utilisée pour les Grands Prix de Catalogne en MotoGP. Et attention, drapeau jaune dans les trois secteurs. Bon, le drapeau jaune, c'est pas très intéressant, je vous avoue. Surtout en pleine séance de qualification. Le plus important, ça va être forcément la course. Pour le moment, c'est William qui détient le meilleur chrono de cette séance de qualification. Et il est en avance, là, dans le secteur 1. Notre ami Nos, d'ailleurs je crois que c'est lui qui était en avance sur le secteur 1. On va voir ce qu'il va faire au secteur numéro 2, le pilote William. Alors pourquoi je dis William? Non, c'est le pilote Williams, pardon. Ah, dommage, Nos qui part à la faute. Aïe, il est parti à la faute, le pilote Williams. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Pour Nos, malheureusement il est parti à la faute, il est parti en tête à queue et malheureusement, là ça va être mort pour lui. Et on a Aosta qui rentre dans les stands. D'ailleurs William n'est toujours pas sorti de la voie des stands. Et tiens d'ailleurs, je vais me mettre sur la caméra de Noodles, le pilote McLaren, qui a enfin effectué son chrono. Il est quatrième pour l'instant, 1:17.952.
il partirait en deuxième ligne sur la grille de départ. Très bon résultat pour l'instant pour Nudles. On va voir ce qu'il va effectuer. On va voir ce qu'il va faire au niveau des chronos. On va voir ce qu'il va effectuer au niveau du secteur 2. Pour l'instant, il est quatrième, Nudles. Il est derrière Nos, mais ça, ouais. Ah, il est en retard. 1,4 seconde de retard là dans le secteur 2. Je sens que ça va être un peu compliqué, malheureusement pour lui. Donc pour le moment, il reste provisoirement quatrième. Pour l'instant, en cinquième place, nous avons Taz, le pilote de l'écurie Mercedes. Cinquième avec un chrono de 1,17. 1,17,961 pour lui. Et d'ailleurs, ils sont en train de rentrer dans les stands, les pilotes, décidément. Et bah, du coup, je vais mettre sur la caméra de Brocchi, le coéquipier d'Aosta. Brocchi qu'on a vu lors du Grand Prix, du premier Grand Prix de la saison. C'était le... Merde, putain, je sais plus c'était quoi le Grand Prix exactement. Mais je sais qu'il avait remporté ce Grand Prix. C'était le premier Grand Prix de la saison. Et bah décidément, les pilotes qui rentrent de plus en plus au stand, j'ai l'impression. Ah bah tiens, on a Nos qui est en train d'effectuer son tour de sortie. On va voir ce que ça donne pour Lionel, le pilote de l'écurie AlphaTauri. 14e avec un chrono de 1,18,607. Et pour le moment, le seul pilote qui n'a pas encore effectué de chrono, c'est Kamui. Kamui qui, je crois, est le seul pilote Alpine à être présent ce soir dans cette quatrième manche du championnat LF1. Alors on va voir le chrono pour Lionel qui est quatrième avec un chrono de 1,17,868. Il monte en quatrième position, donc il pourrait accompagner Nos sur la deuxième ligne sur la grille de départ. Donc en tant que quatrième, il partirait en deuxième ligne, juste derrière Nos. Pour l'instant, il est quatrième, Lionel Bailey. Alors je ne sais pas si on dit Bailey ou Bailey. C'était la Hongrie. Ah oui, c'est vrai. Merci à toi Xav pour la précision. Oui, c'est vrai que c'était en Hongrie, le premier Grand Prix de la saison. Et effectivement, il avait remporté ce premier Grand Prix, notre ami je cherche son blaze, c'est c'est Brocchi. Oui, c'est Brocchi qui avait gagné le premier Grand Prix de la saison. Et du coup, il effectue son retour ce soir, le pilote Alfa Romeo, puisqu'il était absent au Canada et aux États-Unis. Et du coup, est-ce que Lionel va réussir à améliorer son chrono? Non. Il va faire le choix de rentrer dans les stands et du coup on va se mettre sur la caméra de Nos, le pilote de l'écurie Williams. Et attention parce qu'il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a eu un bug avec Discret. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Le plus important, c'est la suite et la fin de cette séance de qualification. Pour l'instant, c'est Williams qui partirait en pole position. William qui a remporté la course principale du Grand Prix des États-Unis la semaine dernière. Pour ceux qui étaient déjà présents sur Volta TV. Et du coup, il va perdre sa première place, William, parce que Nos effectue un chrono de 1,17,145. Ce qui permet au pilote Williams de récupérer la première place. Alors attention, c'est provisoire. C'est provisoire. Pour la simple raison que la séance de qualif n'est pas encore terminée. Donc tout va se jouer dans les deux dernières minutes de cette séance de qualification. Et Kamui qui effectue son tour de sortie. Il effectue son tour de sortie, Kamui. Et voilà, le voici, Kamui, qui est en train de faire chauffer les gommes.
Alors vous le voyez là, cette fameuse portion là que vous voyez, ça sera la nouvelle portion du circuit de Catalogne. Donc du coup cette fameuse chicane, on la reverra plus. En fait les pilotes en fait ils vont prendre la fameuse courbe qu'on a vue à l'instant. Donc ça sera désormais le nouveau tracé de ce circuit de Catalogne. Allez, on va suivre le premier chrono, le premier tour chrono pour Camui. Le seul pilote de l'écurie Alpine présent ce soir dans cette quatrième manche. Il y a 18 pilotes ce soir, donc du coup il y a deux pilotes en moins pour cette quatrième manche. Et on va voir comment il va s'en sortir Camui. On va se mettre en caméra embarquée justement. On va se mettre en caméra embarquée avec Camui. Et là on est déjà dans le secteur 2. On va voir comment ça va se passer pour lui au volant de l'Alpine. Et il reste plus beaucoup de temps hein, pour les pilotes. Il a 1,52 dans le secteur numéro 2. On va voir ce que ça va donner. Du coup, on a Stefou qui termine 7e. Discret qui serait 12e. Ensuite, on a Shinoda 14e. Tortos 16e. Mig 17e. Tutur qui serait 4e. Oh là là, par contre, c'était limite là. Ici même là. Et on va voir le chrono. Ah, et ben, il partirait 16e. Camui qui va partir en 16e position du coup. Et je vais mettre sur la caméra de Nos qui pour le moment est en première position dans cette séance de qualification. C'est lui qui va partir en pole position. Mais attention parce que son tour ne comptera pas. Il ne comptera pas le tour de Nos. Et d'ailleurs ce sera également le cas pour William. Donc pour l'instant Nos partirait en pole position. Et je vais mettre sur la caméra de Valou. Pour l'instant Valou n'a pas encore j'ai l'impression que si, bah je pense que ça va être la fin. Je pense que ça va être la fin de cette séance de qualification. Eh oui, ça y est, on est à, là c'est le dernier. Bah je crois que c'est la fin du coup. Ouais, c'est la fin pour tout le monde. Et du coup, Nos qui va partir en pole position dans ce Grand Prix d'Espagne. Et là, on a Mayu qui a terminé 4e, qui est 4e pour l'instant. Donc Mayu partirait en deuxième ligne avec Aosta. Donc la première ligne serait composée de Nos et William. Aosta et Mayu seront en deuxième ligne. On a Taz et Tutur en troisième ligne, Noodless et Lionel en quatrième ligne, Red Hawk serait accompagné de Stefou en cinquième ligne, on a Broky Valou en sixième ligne, Discret et Golfist seront en septième ligne, et les autres j'ai pas eu le temps de le voir, mais bon c'est pas grave. Et du coup bah c'est Nos qui partira en première position dans ce Grand Prix d'Espagne. Donc il partira en pole position devant William, le pilote Ferrari. Aosta 3e et Mayu 4e partiront en deuxième ligne. Taz 5e et Tutur 6e partiront en troisième ligne. Noodless 7e et Lionel 8e partiront en quatrième ligne. Red Hawk 9e et Stefou 10e partiront en cinquième ligne. Broky 11e et Valou 12e partiront en 6e ligne. Discret 13e et Golfis 14e partiront en 7e ligne. Ensuite on a Shinoda 15e et Camui 16e qui partiront en 8e ligne. Et la 9e et dernière ligne, ce sera Tortos 17e et Mig 18e. Donc voilà ce que ça va donner au niveau. Ce que ça va te donner au niveau de la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne. Donc du coup,
Voilà, donc bah du coup ça y est, on a la grille de départ qui s'est officiellement formée. Forcément, on va attendre tranquillement que le tour de formation puisse commencer. Donc je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream à l'instant. Donc on a Valou. Salut Valou, bienvenue sur Volta TV. À qui est-ce que j'ai pas dit bonjour déjà? Parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat. Nos, j'avais pas fait gaffe que tu étais là. Salut à toi. Lionel aussi. Salut à tous. Salut à tous ceux qui rejoignent le stream à l'instant. Donc voilà, du coup, cette séance de qualification qui se termine. Et du coup, on va passer aux choses sérieuses. Mes chers amis, on va passer aux choses sérieuses parce que la course va démarrer dans quelques instants. La course va démarrer dans quelques instants. Du coup, petite info foot, parce que oui, ce soir, ça joue. Il y a du foot qui se joue. Et d'ailleurs, il y a le match de l'équipe de France contre l'Irlande. Pour le moment, pas de but entre les deux équipes, toujours 0-0 entre l'Irlande et l'équipe de France. Et les Pays-Bas qui mènent 1-0 contre l'équipe de Gibraltar. Et on en est quasiment à la 40e minute de jeu. D'ailleurs, je suis étonné que les Néerlandais ne mettent pas autant de pions aux joueurs de Gibraltar. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, toujours pas de but entre l'Irlande et la France. 0-0 pour le deuxième match de la, bah, le deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2024. D'ailleurs, les Bleus ont fait un très très bon match jeudi, s'il y en a qui l'ont vu. Non, c'était pas jeudi, c'était vendredi. C'est vendredi qu'on a joué contre les Pays-Bas. Sacrée performance de la part des joueurs de l'équipe de France. Surtout quand on sait que les Pays-Bas, c'est l'outsider numéro 1 du groupe de l'équipe de France. Alors moi, je vais mettre... Voilà. Parfait. Voilà, comme ça, je vais faire un truc. Voilà, comme ça, au moins, j'aurai le match. En même temps, parfait. Donc la séance de qualification qui pour le moment n'est pas encore... Alors la séance de qualification, non. La course, pardon, le tour de formation qui n'a pas encore débuté. Et ça se voit que je suis fatigué. Hein. Va falloir que j'aille faire un petit dodo après tout ça. Mais c'est vrai qu'avant, il faut que j'aille manger aussi. Parce que j'ai pas eu le temps de manger. Donc voilà, faudrait que je pense à manger avant de... d'aller faire un petit dodo. Donc pour le moment la séance... Non, le tour de formation n'a pas encore démarré. Donc dès que ça commence, ne vous inquiétez pas, mes chers amis. De toute façon, dès que ça commence, forcément, je changerai de scène. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance de qualification, mes chers amis? N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Et au passage, n'hésitez pas à partager le stream auprès de vos potes, surtout s'il y en a qui aiment bien regarder des courses de F1 de temps en temps, des courses de championnat. N'hésitez pas à leur partager le stream, ça serait énorme pour la visibilité du championnat, mais aussi pour la visibilité de la chaîne. Donc pour l'instant, on est en pleine attente, ça, on est en train de patienter tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, pour l'instant ça ne bouge pas. Du coup, tiens, en attendant, je vais mettre de la musique. Voilà, je vais mettre de la musique en attendant. J'avoue que j'aurais dû le faire dès que j'ai changé la scène, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, dès que ça se lance, je changerai bien évidemment de scène pour passer sur le pré-live avant de passer sur la scène principale. Et forcément, 50 tours sur ce circuit de Catalogne, donc on serait à un peu plus de 30 tours, je pense. Je pense qu'on serait à plus de 30 tours dans ce Grand Prix d'Espagne. Donc voilà. Bah décidément, c'est un peu long, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu long là. Qu'est-ce qui se passe dans les starting blocks? Qu'est-ce qu'il se passe dans les stands, forcément. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ce championnat?
Je pense que les mécaniciens sont en train de peaufiner les derniers détails sur la monoplace avant le grand départ, forcément. On fait très 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 attention aussi aux couvertures chauffantes pour les gommes. Et départ à 32, ok. Ok, bah justement, il est 21h32, donc ça va pas tarder à partir. Et d'ailleurs, Boy Ben, mon blaze, ce n'est pas Volta. Mon blaze, c'est Onizuka. Volta TV, c'est le nom de la chaîne Twitch. Mais mon blaze, il est affiché sur l'écran, c'est Onizuka. Donc voilà, bah tiens, justement, ça va commencer. Ça va commencer dans quelques instants pour ce Grand Prix d'Espagne, quatrième manche du championnat LF1. Donc ce soir, c'est la division 1, demain soir, c'est la division 2. Et d'ailleurs, ça va pas tarder à commencer. Donc j'attends tranquillement que ça se mette en place. Et normalement, ça devait être bon. Et ben, il n'y a pas de souci, mon cher Boy Ben. Et ben, tiens, justement, là, ça y est, c'est parti. C'est parti pour le tour de formation. Voilà, donc là, pour l'instant, nous ne sommes pas en retard. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Et d'ailleurs, fin de la. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, voilà, ça c'est bon. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, bah, c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps du côté de l'équipe de France. Pas de but entre la France et l'Irlande. On reste toujours sur un score de 0-0. Voilà, tout simplement, il y a 0-0 entre l'équipe de France et l'Irlande. Et voilà, le tour de formation qui est en train de se faire. Donc vous ne vous inquiétez pas, mes chers amis, vous n'êtes pas en retard puisque la course n'a pas encore commencé. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ce soir je suis en solo pour vous commenter cette course. Je suis en solo ce soir. Donc Nos qui part en première position sur la première ligne, en compagnie de William, deuxième. Ensuite, en deuxième ligne, nous avons Aousta, troisième, et Mayu, quatrième. En troisième ligne, nous avons Taz, cinquième, et Tutur, sixième. En quatrième ligne, nous avons Noodless, septième, et Lionel Bali, huitième. En cinquième ligne, nous avons Red Hawk, neuvième, et Stefou, dixième. Broki, onzième, et Valou, douzième, complètent la sixième ligne. Et d'ailleurs, ça va pas tarder à partir. La course ne va pas tarder à partir. Mes chers amis, j'ai juste une chose à vous dire. Mettez le son à fond et rendez-vous au premier virage. Et le très très bon départ de Nos, le pilote William qui reste en première position. Aousta est deuxième et attention parce que William il est en train de perdre des places. Le pilote Ferrari qui s'est fait dépasser par Noodles qui récupère la troisième position. Taz est en cinquième position. Il y a des pilotes qui perdent des places. Red Hawk dépassé par Valou. Et attention parce qu'il y a un mano à mano entre Valou et Discret. Tutur et Taz et attention parce qu'il y a déjà un drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Et bah décidément ce départ est tonitruant dans ce Grand Prix d'Espagne. Très très gros départ de la part de Nos qui est très très bien parti. Et du coup Red Hawk qui est désormais 18ème de cette course, juste derrière Golfist 17ème et Tortoise 16ème. Le très très bon départ pour Nos. Aousta reste en deuxième position, suivi de Noodles, troisième. Très bon départ aussi pour le pilote McLaren qui récupère la troisième place. D'ailleurs, William, il était troisième et du coup, il a perdu
Sa troisième place au dépend du pilote McLaren, Noss qui effectue le meilleur chrono de la course, une 25-799. Alors je vais mettre sur la caméra de Taz parce que Taz il est en train de tenter un dépassement sur Mayu. Et oui, c'est très bien joué. Ah dommage, ça ne sourira pas finalement pour le pilote Mercedes. Mais il ne se décourage pas pour autant parce qu'il repart à l'attaque sur le pilote AlphaTauri. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Eh non. Oh, quoique, et si, Taz qui récupère la sixième place de Mayu. Mais c'est pas terminé, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'accélération. Ah, il est en train de perdre du terrain là, par contre Mayu. Il est en train de perdre du terrain sur Taz, très très bien joué de la part du pilote Mercedes. Pour l'instant, pas de safety car à l'issue des premiers tours. Pour l'instant, c'est un très 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 bon départ pour Noss. Alors, je vais mettre sur la caméra de Shinoda parce qu'il est très 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 proche de Valou. Là, vous le voyez, cette chicane-là ne sera plus présente sur la version 2023 de ce circuit de Catalogne. On va voir si Shinoda va pouvoir tenter un dépassement sur Valou. Le DRS activé dans ce troisième tour. Et est-ce que Shinoda, ouais, Shinoda qui se rapproche quand même de Valou. Mais pour le moment, c'est pas suffisant. D'ailleurs, j'avais oublié de vous parler justement du circuit. C'est vrai qu'il y avait des choses à dire sur le circuit de ce Grand Prix d'Espagne. Il y a deux zones de DRS. D'ailleurs, la première zone, elle est dans le secteur numéro 2. Et ensuite, on a une autre zone de DRS dans la ligne droite. Et là, on se rapproche de la première zone de DRS. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir tenter un dépassement là pour Shinoda. Et voilà, le DRS activé. Alors là, ça va être un peu compliqué, je pense, pour tenter un dépassement. Et attention, Noodles qui perd des places. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Noodles? Noodles qui est désormais 8e, juste devant Valou. Et Noss qui améliore le chrono. 1:21:245 pour le pilote de chez Williams. Et là forcément Shinoda qui va se rapprocher dangereusement de Valou pour tenter un dépassement. Mais attention parce que Valou aussi a le DRS d'activer. Et est-ce que Valou va tenter le dépassement? Et oui, Valou qui dépasse Noodles. Attention parce que les deux monoplaces se sont touchés. Oh là là, ils sont presque à 3 de front dans le virage. Décidément, et attention Shinoda avec Noodles. Oh là 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 là, décidément. Et Noodles qui va devoir rendre les armes face à Shinoda et Valou. Mais attention parce qu'il est menacé derrière Noodles avec Brocchi, le pilote de l'écurie Alfa Romeo. Et il va y aller, Noodles qui va y aller. Et forcément le DRS activé. Mais attention parce que Shinoda aussi il le détient. Oh attention. Oh attention pour Noodles. Allez, on va voir comment ça va s'emboîter, comment ça va se passer pour les pilotes. Shinoda qui est en train de mettre la pression sur Valou. Mais derrière lui, il y a Noodles qui va lui mettre un coup de pression. Attention Shinoda. Oh attention Shinoda qui va perdre des places. Et derrière ça suit avec le dépassement en pleine ligne droite de Golfist qui va récupérer la 11e place. Le DRS activé pour Noodles qui va dépasser Brocchi. Et Noodles qui remonte à la 9e place. Et Brocchi qui est désormais sous la menace de Golfist. Mais Shinoda aussi, il est là. Ça devient très 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 chaud ce qui se passe entre le 8e, le 9e, le 10e et le 11e. Là, les 4 pilotes
qui ont envie de se rendre coup pour coup, discret, qui améliore son chrono. 1:21.011, c'est le meilleur chrono de la course. Nos qui est toujours leader à l'issue du cinquième tour. Et derrière, ça suit. Hein. Derrière Nos avec Austa qui reste en deuxième position. Il y a aussi William qui est pas très 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 loin. Et attention, le oh, attention, c'est parti. Aïe, 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 il y a un bout qui est parti là. Il y a un bout de la monoplace qui est parti. Alors, est-ce que les ralentis fonctionnent ou pas? On va revoir ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit accrochage. Ouais, il y a eu un petit accrochage entre une As et l'Alfa Romeo. C'est la As de Golfist avec l'Alfa Romeo de Brocchi. Brocchi qui perd des places. Alors, je vais mettre sur la caméra de Austa, le pilote d'Alfa Romeo, le coéquipier de Brocchi. Parce que Nos, il est sous pression, le pilote William. Le pilote Williams, pardon. Et là, forcément, le DRS activé pour Austa. Et le dépassement pour le pilote Alfa Romeo qui va récupérer la première place. Et non! Et non! Et non! Et non! Nos, il n'a pas dit son dernier mot. Le pilote Williams. Il reste en première position, mais c'est vrai que Austa, il est là aussi, il répond présent. Il est là pour dire à son adversaire, t'inquiète pas mon coco, je suis là. Et derrière, ça suit aussi. Attention Austa, parce que derrière, ça suit avec William, le pilote Ferrari, qui a son DRS activé. La tentative de dépassement d'Austa, qui récupère la première place. Au dépens de Nos, c'est très très bien joué de la part d'Austa. Mais le pilote Williams n'a pas encore dit son dernier mot. Et là, on a une bataille à 3 là. On a une bataille à 3 pour la première place dans ce 7ème tour. Quoique, attention, parce que William, il commence à être décroché, j'ai l'impression. Quoique, on va voir comment ça va se passer pour lui. Oh, attention, oh là 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 là, William, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, normalement, le DRS activé là pour Nos qui va tenter d'aller chercher Austa. Et attention, un drapeau jaune signalé dans le secteur 2. Est-ce que c'est pas Nudles qui aurait eu un petit souci? Parce que je vois qu'il a perdu deux places, Nudles. Et pour le moment, à l'issue du 7ème tour, aucune pénalité pour les pilotes. Et le DRS activé pour Nos qui va tenter le dépassement par la droite sur Austa. C'est très bien joué de la part du pilote Williams qui va dépasser son adversaire par l'intérieur. Et l'écart qui se creuse entre Nos et Austa. Et attention, 10 minutes de pénalité. Non, pas 10 minutes, pardon. 10 secondes de pénalité. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé, Nudles? Qu'est-ce qui s'est passé, Nudles? Le drapeau jaune dans le secteur 1 et 3. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nudles? Ouais, drapeau jaune dans le secteur 3 également. Et pour l'instant, ouais, je crois que c'est le premier abandon. Je crois que c'est un abandon pour Nudles. Et du coup, le premier abandon de la partie, bien évidemment, sans l'intervention de la voiture de sécurité ou même de la virtual safety car. Et Austa, toujours deuxième sous la menace de William. Mais attention, parce que Austa, il est là aussi. Parce qu'il va mettre aussi un coup de pression à Nos. Là, ça va être compliqué là pour le pilote Alfa Romeo. Qui va rester deuxième. Et 3 secondes de pénalité pour Kamui
le pilote Alpine qui est en grande difficulté dans cette course. 16e à l'heure actuelle, le pilote réserviste de chez Alpine. Et je regarde les écarts, je regarde au niveau des écarts. Pour l'instant, c'est là où c'est le plus intéressant pour le moment, au niveau des écarts faibles. Nos qui reste pour le moment leader de ce Grand Prix d'Espagne à l'issue du 9e tour. Et William qui se rapproche dangereusement de Aousta. Alors j'ai l'impression qu'il a des bugs, William. J'ai l'impression qu'il a des bugs, William. Tandis que Nos est en train de prendre ses distances avec le pilote de l'écurie Alfa Romeo. Alors le DRS activé, oui. Et attention parce que derrière, il est en danger, Aousta. Parce que William aussi avait le DRS. Et il reste toujours en contact malgré tout. J'ai l'impression qu'il a des bugs, William. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis. Mais pour le moment, il reste en troisième position, le pilote Ferrari. Et la deuxième période du match Irlande-France qui va reprendre dans quelques instants. Petite info foot pendant le direct. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de bouger. Pour le moment, ça n'a pas trop l'air de bouger pour le moment. Et on le voit, Aousta, il est en train de revenir sur le pilote de l'écurie Williams. Et pour le moment, le seul pilote qui a été pénalisé, c'est Kamui. Pour le moment, donc seul pilote encore en piste à être pénalisé, c'est Kamui, le pilote de l'écurie de l'écurie Alpine. Et on voit les voitures, les monoplaces qui ont pour certains le DRS activé. C'est le cas d'Aousta, de William et de Taz. Ça commence à revenir dangereusement, mais sûrement pour les pilotes. Et ouais, William il a des bugs, j'ai l'impression. Il a des bugs, William. Et pour l'instant, il reste solidement à la troisième place. Nos qui pour le moment reste solidement accroché à sa première place. Ouais, effectivement, Boy Ben, on a une belle bataille entre les trois premiers, voire peut-être les quatre premiers. Si on rajoute Taz qui est pas très très loin non plus. Mais pour l'instant, il est en train de mener sa course, Nos. Alors c'est pas évident parce que Aousta il est là aussi pour performer. D'ailleurs, Aousta, je rappelle, il a terminé deuxième du Grand Prix des États-Unis la semaine dernière. Il était déjà présent la semaine dernière en Division 1. Et attention, parce que là, on arrive dans la grosse zone de DRS. Et forcément, Aousta va en profiter. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter pour prendre l'intérieur? Et oui, il va en profiter, Aousta. C'est très bien joué de la part du pilote d'Alfa Romeo. Mais attention parce que derrière ça pousse aussi. Avec Nos qui n'a clairement pas envie de laisser sa première place aux dépens d'Aousta. Et on voit que les deux premiers sont en soft au niveau des gommes. Le drapeau jaune dans le secteur 3. Et je suppose que Mig est concerné par ce drapeau jaune. Et pour l'instant, on a un duel très intéressant pour les premières places. On a bien sûr Aousta, Nos, William et Taz. Pour Tutur, par contre, je pense que Tutur, il est un peu trop décroché, pour être honnête. Il est un peu... Ouais, je trouve qu'il est un peu décroché, là, Tutur. Je dirais qu'il est même décroché.
Donc là, on a un duel très intéressant pour les 4 premières places. On va voir comment les pilotes vont le négocier, ce début de 13e tour, parce que là, on a terminé le 12e. Et Noss qui est sous la menace. Noss sous la menace. Et attention, Tutur qui perd sa 5e place aux dépens de Mayu. Et oh, attention là, Tutur. Drapeau jaune dans le secteur 3. Il est en train de perdre des places, le pilote de l'écurie As. Et j'ai pas fait attention, mais abandon pour Tortoz, le pilote Red Bull. Alors, abandon pour Tortoz, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est au 13e tour. On est au 13e tour, il reste encore 20 tours sur ce Grand Prix. William qui est en train de se rapprocher de Noss. Alors je trouve qu'il a des bugs, malheureusement, le pilote Ferrari. Ouais, Tortoz qui a abandonné a priori. Et attention, drapeau jaune, secteur 1, secteur 3. Là, il est menacé, là, attention là. Noss, et bah finalement, il va rentrer dans les stands. Ça va être le premier pilote à rentrer dans les stands. On va suivre on va suivre ça de plus près. Donc on va avoir certainement un changement de stratégie pour le pilote Williams qui va chausser des hards au niveau des trains de pneus. D'ailleurs, je crois que c'est aussi le cas de Taz. Donc Taz qui chausse des gommes hards. Tout comme Noss. Et du coup, on a désormais un nouveau leader pour le moment. Il s'agit d'Aousta. Et petite info foot, mes chers amis. L'équipe de France qui a ouvert le score face à l'Irlande. Ça fait 1-0 pour les Bleus dans ce match des éliminatoires de l'Euro 2024. Donc petite info foot pour ceux qui sont intéressés. Ah oui, oh là je viens de voir le but de Pavard en plus. Non. Ah non, c'est Pavard qui marque en plus. Ah, c'est Benjamin Pavard qui marque carrément. Et en plus, il est magnifique son but. C'est ça qui est ouf. Son but, il est magnifique à Pavard. Mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder le match. Ou même pour ceux qui n'en ont rien à foutre. Alors je vais mettre sur la caméra de Shinoda, parce que Shinoda se rapproche dangereusement de Valou. Shinoda qui roule pour Aston Martin face à Valou, le pilote de l'écurie Ferrari. Le DRS activé pour Shinoda. Lionel qui va récupérer la deuxième place. Et attention, parce qu'on a Aousta qui est en train de sortir des stands. Oh là 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 là, c'est dangereux tout ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Aousta? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Aousta qui est sorti. Oh, attention. Non, pas encore de safety car. Pour l'instant, la safety car n'est pas de sortie. Et on en est au 10e tour. Non, 15e tour. Autant pour moi. Le drapeau jaune dans le secteur 2 et 3. Et du coup, on a un nouveau leader. On a un nouveau leader en la personne de Mayu. Mayu qui n'avait pas encore entré dans les stands, je crois. Ah oui, ok, donc il avait commencé en hard. Il a commencé cette course en pneu hard. Il a 8 secondes d'avance sur son coéquipier. Donc on en est déjà au 15e tour pour l'instant. Mayu, il est en train de faire sa course. Alors je vais mettre sur la monoplace de William, parce que on le voit, il est en train de mettre la pression sur Shinoda. Et là, normalement, le DRS activé pour William. Et Red Hawk qui perd des places, par contre. Le drapeau jaune dans le secteur 1. Est-ce que Red Hawk ne serait pas impliqué?
Pour l'instant, il reste cinquième, William. Mais pour combien de temps? Alors là, on a une McLaren qui est sur le bord de... Qui était... ouais. Alors ça doit être la McLaren de Mig. Mig qui a des grandes difficultés, je pense. D'ailleurs, je crois que c'est la première course de Mig en division 1, normalement. Et pour le moment, le leader, c'est Mayu, le pilote de l'écurie AlphaTauri, qui devance son coéquipier Lionel, qui est deuxième pour le moment. Ensuite, on a Valou en troisième et on voit ça se suit là. Alors, je vais mettre sur la caméra de Shinoda parce que Shinoda se rapproche dangereusement de Valou. Mais attention pour le pilote Aston Martin parce que William se rapproche dangereusement. Et d'ailleurs, William qui va avoir le DRS d'activer tout comme Shinoda. Est-ce qu'il y aura un dépassement? Mais oui, il y va, William. Il y va. Il va aller chercher cette quatrième place aux dépens de Shinoda. Est-ce que ça va passer normalement? Oui, ça passe pour le pilote Ferrari. Mais attention, parce que Shinoda n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot, Shinoda. Ah, il y a des bugs quand même là pour William. Alors, ouais, forcément, Shinoda, il est obligé de jouer la carte de la prudence. Parce qu'il le voit que son adversaire est en train de laguer. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'il fait, notre ami Nos, le pilote de l'écurie Williams, qui était leader de la course, avant de rentrer dans les stands pour chausser des gommes hard. Le meilleur chrono de la course pour discret, 1:20.605. Il est en gomme médium. Ah, William qui se rapproche dangereusement de son coéquipier. Pour l'instant, on a les deux AlphaTauri qui sont premier et deuxième. William qui va tenter le dépassement par la droite sur Valou. Est-ce que ça va passer pour lui? Normalement, ça devrait passer, sachant qu'il a le DRS d'activé. Et normalement, ça passe. Alors, s'il y a des lags sur le monoplace de William, c'est normal. Ça vient très certainement de lui. Petit souci de connexion internet, je pense. Et attention, parce que là, c'est une toute autre paire de manches qui est en train de se dérouler. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Shinoda? Shinoda qui est parti. Oh là 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 là. Le drapeau jaune dans le secteur 2 et 3. Attention, parce qu'on n'est pas loin du drapeau jaune. On n'est pas très très loin de... Bon, on n'est pas très très loin du drapeau jaune, non. On n'est pas très très loin de la safety car, pardon. C'est ça que je voulais dire. My bad. Et du coup, Shinoda, qui est relégué à la 9e place. Et ça, c'est en train de suivre le petit train derrière Taz et Tutur. On va voir comment ça va se passer. Et abandon pour discret. Attention, le troisième abandon dans cette course. Et Taz qui va être en danger. Taz qui est en danger. Et Valou qui est en train de perdre des places. Valou, huitième de cette course. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Taz qui va récupérer la quatrième place aux dépens de Tutur, qui reste toujours au contact. Et attention, parce que Nos aussi est en train de remonter dans le peloton. Il est en train de remonter Nos, le pilote de l'écurie Williams. Oh, attention là. Attention là. Il faut pas qu'il oublie qu'il est en gomme hard, notre ami Nos. Et Tutur aussi est en hard d'ailleurs, tout comme Taz. Pour le moment, les trois pilotes se suivent. Alors que Mayu, par contre, il est en train de prendre beaucoup d'avance. Le pilote de l'écurie AlphaTauri. Et merci à Melo pour le follow. Et merci à SKX Draz. Je sais pas comment je prononce ton blaze, mon frérot. Désolé d'avance si je l'écorche.
Et Tuteur qui est sous la pression. Tuteur qui est sous la pression. Et attention parce qu'il y a un changement. Dans le... Ah oui, donc ouais, effectivement, il y a des pilotes qui rentrent au stand. Et je pense que c'est le cas de Mayou et de Lionel. Et il se rapproche là, Noss. Il est en train de mettre un coup de pression à Tuteur. Noss qui est l'un des premiers à être rentré. L'un des premiers à être rentré dans les stands. Oh, attention, Noss qui se rapproche dangereusement du pilote Haas. C'est ce que Noss va tenter. Alors là, ça va être compliqué. Peut-être dans la zone de DRS, c'est possible. Justement, on se rapproche de la zone de DRS. Nous y sommes dans cette zone de DRS. Pour l'instant, c'est une petite zone DRS. Ah, il est en train de perdre du terrain sur Tuteur et Taz. Et du coup, on a un nouveau leader en la personne de William. Le pilote de l'écurie Ferrari qui a remporté la course principale la semaine dernière à Austin lors de la troisième manche du championnat et du Grand Prix des États-Unis. Tuteur qui a le DRS activé, ce qui va tenter le dépassement par l'intérieur sur Taz et ça passe pour Tuteur. Très très bien joué de la part du pilote Haas. Et attention parce que Taz se rapproche aussi. Taz n'a pas encore lâché le morceau. Pour l'instant, l'écart s'est quand même creusé entre William et Tuteur. En revanche, derrière, ça suit le pilote de Haas. Et le voici, Taz. Il est pour le moment troisième de cette course. On en est au 21e tour pour le moment. 21e tour de cette course. Et pour l'instant, le pilote Ferrari est dans... Il est sur le podium. Mais attention quand même, parce que derrière, ça revient aussi avec Noss. Noss qui est quatrième, qui a désormais 4 secondes 5 d'avance sur Aousta, qui est cinquième. Et on a Valou qui va tenter un dépassement. Alors qui va tenter, non c'est un grand mot, mais Valou il se rapproche de Lionel. Peut-être un duel entre le 8e et le 9e. Mayou qui effectue le meilleur chrono, 1:20.283 pour le pilote d'AlphaTauri et non le pilote de la Scuderia Ferrari. J'ai pas compris pourquoi ça s'est affiché, pourquoi ils ont affiché Scuderia Ferrari. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais en tout cas, on a un duel là. On a une petite bataille entre le deuxième et le troisième. Et là, on arrive dans la zone de DRS. On va arriver dans la zone de DRS. Forcément, le DRS activé pour Taz qui va se rapprocher du pilote Haas, mais là ça va être compliqué d'aller chercher Tuteur. Ouh, attention, il s'est loupé. Tuteur, il s'est loupé. Et il y a peut-être quelque chose à jouer pour Taz. Pour l'instant, il y a peut-être un coup à jouer là pour Taz qui va aller tenter d'aller chercher le pilote de l'écurie Ah, c'est 3 secondes de pénalité pour Shinoda. Et il y avait bien le DRS d'activer pour Taz, mais ce n'était pas suffisant pour aller chercher Tuteur, qui reste toujours en deuxième position. William, il est en train de faire sa course de son côté. Il est pour le moment premier de ce Grand Prix d'Espagne. Alors pour l'instant, je reste sur les deuxièmes et troisièmes et même sur notre ami Noss parce que c'est là où les écarts sont les plus faibles à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle.
Et là, on arrive dans la zone de DRS. Le DRS qui est déjà activé pour Taz qui va essayer de se rapprocher de Tutur. Oh, il a pris large. Par contre, Tutur. Il a pris large, Tutur, par contre. Est-ce que ça peut être bénéfique aussi pour... Est-ce que ça peut être bénéfique pour Taz? Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. D'autant que derrière, ça revient aussi avec Nos qui a le DRS d'activer. Le drapeau jaune dans le secteur 3. Et pour l'instant, Tutur, il s'accroche à cette deuxième place. Pour l'instant, il est assez loin de William. Et attention, 3 secondes de pénalité pour Taz. Ouh, alors là, par contre, ça va changer les choses. Ça va changer pas mal de choses. Là. Et 3 secondes de pénalité pour Taz. Et attention, Taz, il est en difficulté. Alors, en difficulté, peut-être pas, mais il est sous la menace de Nos. Le pilote de l'écurie Williams qui a terminé premier de cette séance de qualification. Et il se rapproche. Par contre, Taz, je vois qu'il est en train de se rapprocher de Tutur. On va voir comment ça va se passer pour le pilote de l'écurie Haas. Qui est en train de prendre de l'avance. Il est en train de prendre de l'avance là. Oui, attention là, tentative de dépassement là. Tentative de dépassement pour Nos. Ah non, il est obligé de se raviser malheureusement. Il doit se raviser. Le pilote Williams qui a tenté d'aller chercher la troisième place de Taz, d'aller menacer le pilote Mercedes. Malheureusement, ça ne passe pas. Et on est au 25e tour. Il reste encore 8 tours dans ce Grand Prix d'Espagne. Pour le moment, c'est le pilote Ferrari, William, qui est leader avec plus de 2 secondes d'avance sur son dauphin. Et là, on arrive dans une zone de DRS. Quelque chose à jouer pour Nos. On va voir ce que ça va donner. Oh, aïe, 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 il a failli partir à la faute là. Il a failli partir à la faute, Nos. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Parce que ça aurait pu avoir de très très lourdes conséquences pour lui. Et du coup, il reste quand même accroché à Taz. Alors que l'écart entre Tutur et Taz est en train de se creuser. On est désormais à 1,4 seconde d'écart entre les deux. Et par contre, l'écart qui se réduit avec William. Et ouais, le dépassement de Nos qui a dépassé Taz. C'est très bien joué de la part de ce dernier. Mais c'est pas terminé parce que Taz retourne à la bataille. Est-ce que ça va le faire ici? Ouais, c'est bon, mais attention parce que Nos a l'avantage de l'intérieur. Dans ce virage. Oh, quoique, Taz qui est très bien sorti. Oh là 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 là, cette course va devenir intéressante. Pour le coup. Pour le moment, il n'y a pas eu de safety car. Alors ça, c'est quand même une grande première. Il n'y a pas encore eu de safety car à l'issue de ce 26e tour. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une première course sans safety car, sans voiture de sécurité? Pour l'instant, rien n'est encore joué. Mais on est en train de prendre le chemin. Et attention, parce qu'on a une Ferrari. Oh, William, qu'est-ce qui s'est passé? William, le leader de cette course qui est parti à la faute. Et là, on a une McLaren qui est en train de sortir des stands, celle de Mig. Et du coup, William qui est désormais rétrogradé à la 5e place.
C'est terrible pour le pilote Ferrari qui aura tenu quand même quelques tours en premier. Et du coup, le nouveau leader, c'est Tutur, le pilote de l'écurie Haas, avec une seconde 6 d'avance sur Taz. Mais attention, Taz, on rappelle qu'il a 3 secondes de pénalité. Et là, il est en train de se faire menacer là, par Nos. Nos qui a là l'intention d'aller chercher cette deuxième place. Mais attention, parce que les écarts sont en train de se creuser entre le deuxième et le troisième. Et je vois que Mayu, il est en train de mettre la pression sur William. Ouais, William, il a des bugs, malheureusement. Je me demande s'il n'a pas des soucis par rapport à Internet, notre ami. Il a forcément le DRS pour Mayu. Mayu qui va tenter de dépasser William. Ouais, là, ça va être short. Ça va être short pour le pilote d'AlphaTauri, qui est en médium en plus. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer aussi pour Mayu. Oh, ouais, il y a des bugs là. Je crois qu'il a des bugs, William. J'ai l'impression qu'il y a un bug du côté de chez William, parce que on l'a vu sur le dépassement de Mayu. Et on voit les intervalles des pilotes qui est en train de s'accroître. Pour l'instant, il est en train de faire sa course, Taz. Non, c'est pas Taz, pardon. C'est Tutur. Tutur qui est en première position. Mais attention, parce que il y a Taz qui est en train de revenir sur le pilote Haas. Et l'écart qui est en train de se réduire même. Il est en train de se réduire, l'écart entre Tutur et Taz. On est désormais sous la seconde. Ah, par contre, ouais, ça passe. Brocchi qui effectue le meilleur chrono de la course. Une 19-701. Ah, par contre, un peu en difficulté. Taz qui est en train de mettre un coup de pression à Tutur. Est-ce qu'on aura un duel intéressant pour cette fin de course? Sachant qu'on est dans le 29e tour, il reste 3 tours après. Même 4 tours. Et attention! Oh, la safety car! La safety car et l'abandon pour Aosta. Et bah finalement, il aurait fallu attendre le 29e tour pour avoir l'intervention de la safety car. Et bah décidément, voilà, bah oui, c'était prévisible, c'était sûr. La safety car qui est de sortie. Et il y a aussi, alors je regarde, il y a aussi Noodles, j'avais pas fait gaffe. Alors Noodles, Tortoise, Discret, Mig et Aosta, donc 5 pilotes qui sont désormais hors course. Forcément, les pilotes qui sont dans l'obligation de rattraper la safety car. Et bah décidément, cette course, elle aurait été intéressante dans le bon sens du terme. Et là, je pense que les deux derniers tours vont être incroyables avec la safety car. Et Mig qui est dans le chat, salut à toi Mig. Ah ouais, donc t'as spin, ah merde. Ah, c'est donc pour ça que t'as dû abandonner, c'est que t'as spin, d'accord, ok. Et donc là, on regarde, bien sûr, vous le voyez, on est toujours sous régime de safety car.
Voilà, on est sous régime de voiture de sécurité pour le coup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le hoquet depuis tout à l'heure et ça commence vraiment à m'énerver, ça. Et ben voilà, du coup, le 30e tour. Et normalement, la safety car qui devrait rentrer dans les stands à la fin du 31e tour, normalement. Parce qu'on va encore avoir un... On va encore avoir un tour de... On va avoir un tour avec la safety car en piste. Forcément, les pilotes qui sont en train de faire des zigzags avec leur monoplace. Dans le but de faire chauffer leur gomme. Et il y a désormais 13 pilotes encore présents sur piste. Donc on a forcément Tutur, Taz, Nos, Mayu, William, Valou, Broky, Lionel, Red Hawk, Shinoda, Golfist, Stefu et Kamui. Et les 5 pilotes qui sont hors course, on a Aosta, Mig, Discret, Tortoise et Noodles. C'est d'ailleurs les deux pilotes McLaren qui sont... hors course. Ah ouais, là ça va, tout va se jouer dans le 32e tour, les deux derniers tours de ce Grand Prix d'Espagne. Et bah décidément cette fin de course, ça va être incroyable là, sous safety car. Ça va partir, ça va presque partir dans tous les sens. Je pense que les deux derniers tours vont être incroyables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis. Et forcément, safety car qui rentre dans les stands à l'issue de ce 31e tour. Et c'est Tutur qui va donner le coup d'envoi de cette course. Ou du moins qui va donner le coup d'envoi de la reprise, je dirais. Et je rappelle, Taz qui est deuxième, il a 3 secondes de pénalité, tout comme Shinoda 10e et Kamui 13e. Et Golfist qui a 5 secondes de pénalité. Il est pour le moment 11e, donc forcément les derniers tours vont être déterminants. Et c'est Tutur qui va donner le rythme de ce départ. Taz qui se place à côté. Taz se place à côté de Tutur. Et je crois que le drapeau vert est agité. Ça y est, le drapeau vert est agité. Et attention, parce que Nos il s'est lancé aussi. Nos qui va se lancer. Il est deuxième, Nos. Et non, Taz qui lui répond directement. Tandis que Tutur a fait un très très bon départ. Le pilote de l'écurie Haas. Et ça suit derrière. Ça suit aussi avec Mayu qui est en train de mettre la pression sur Nos. William qui revient aussi à hauteur du pilote de l'écurie AlphaTauri. Et attention, parce qu'on a un nouveau leader provisoire avec Taz qui récupère la première place. Au dépens de Tutur, mais attention, parce que Taz il a 3 secondes de pénalité. Et en plus on est dans le dernier tour. Est-ce que Nos va tenter d'aller chercher Tutur? C'est tout à fait possible. Oh, le plongeon de Mayu. Mayu qui y va. Mayu qui rentre. Oh là 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 là. Là ça suit entre Mayu et William. Les 4e et 5e. Et Tutur qui prend. Tutur qui pour le moment est deuxième. Mais il va être premier pour le moment. Parce que Taz il a 3 secondes de pénalité. Et là ça y est, le dernier tour. Est-ce que Nos va tenter d'aller chercher Tutur? Ça va être le duel qu'on va suivre de plus près. Parce que pour Taz c'est quasiment mort. Et attention! Oh, attention, Golfist! Nouvel abandon pour Golfist.
le pilote de l'écurie Haas qui est qui a abandonné. Est-ce que Tutur va rester premier? Ou est-ce que c'est Noss et William qui vont tenter d'aller chercher cette première place? Pour l'instant, le pilote de l'écurie William, il est deuxième, même troisième, je dirais. Oh là là, ce dernier tour va être déterminant. Et William qui perd... Ouais, ça va être compliqué pour William. Et attention, le drapeau jaune dans le secteur 3, c'est Brocchi qui est incriminé directement. Et on est en train de se diriger vers la victoire de Tutur qui va terminer ce Grand Prix d'Espagne à la première place devant Noss, deuxième. Alors normalement, Noss, il est deuxième, il n'est pas troisième. Parce que du coup, c'est Taz qui serait deuxième. Et du coup, ouais, du coup, c'est confirmé. Tutur qui remporte ce Grand Prix d'Espagne. La victoire pour le pilote Haas qui signe sa première victoire de la saison dans cette Division 1. Et d'ailleurs, c'est lui qui est élu pilote du jour. Très grandement mérité pour lui. Et forcément, on va assister à la cérémonie de la remise des prix pour les trois pilotes. Forcément la victoire pour Tutur qui termine devant Taz et Noss troisième. Alors j'ai un doute quand même parce qu'il me semble que Taz il avait 3 secondes de pénalité. Donc ce qui me fait dire que normalement c'est Noss qui serait deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et bah du coup on va voir maintenant du coup le classement. Et alors Taz serait deuxième a priori. Donc du coup on a Tutur qui a remporté ce Grand Prix, ça c'est fait. Taz serait deuxième, suivi de Noss troisième, William quatrième, Mayu cinquième, Lionel sixième, Red Hawk septième, Valou huitième, Stefou termine neuvième, Kamui dixième, Shinoda onzième, Brocchi douzième, Golfiste treizième. Et on a les autres pilotes aussi avec... Aousta qui termine 14e, Mig 15e, Discret 16e, Tortos 17e et Noodless 18e. Donc les pilotes qui sont 14e, 15e, 16e, 17e et 18e qui du coup terminent sur un abandon. Et bah décidément cette course elle aura été incroyable. Et à noter que les pilotes qui ont pris des pénalités, bon bah ça change du coup. Du coup on va pouvoir changer de scène mes chers amis. Et bah décidément cette fin de course elle a été incroyable. Elle a quand même été incroyable avec cette safety car. Honnêtement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course mes chers amis? Ça serait intéressant d'avoir votre avis dans le chat de Twitch. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette course. Quels sont votre avis, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à donner votre avis. Donc Colonel Moutarde qui nous dit rebondissement à la fin avec la safety. Forcément la safety qui est sortie à l'issue du 30e tour. Donc forcément il y a eu beaucoup de changements dans cette fin de course. Et effectivement, il y avait des pilotes qui ont chaussé des hards pour cette fin de course. Tutur qui remporte ce Grand Prix d'Espagne. Félicitations à toi, Tutur, pour cette victoire finale. C'est très 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 bien joué pour Tutur qui remporte le Grand Prix d'Espagne. D'ailleurs, c'était ça que je voulais faire. Parce que je voulais... Oui, c'était ça que je voulais vous montrer. C'était aussi le classement constructeur.
Parce que j'avoue que j'avais complètement zappé qu'il y avait aussi le classement constructeur de la division 1. Et d'ailleurs, je vous ne l'avais pas montré, le classement constructeur. Je vous avais montré le classement pilote. Et là, du coup, le classement. Ah bah merde, la musique qui s'est coupée. Bon, tant pis. Du coup, donc là, le classement constructeur. Alors, il y a quand même des petites modifications à apporter à ce classement parce que le classement que vous voyez à l'heure actuelle, il y a eu des modifications qui ont été effectuées dans ce classement constructeur. Donc Alpine qui est toujours premier, mais avec 70 points désormais au lieu de 79. Aston Martin qui est deuxième avec 58 points, donc qui récupère un point les pilotes de chez Aston Martin. Ensuite, on a Ferrari troisième avec 52 points et non 49, donc Ferrari qui gagne 3 points. Ensuite, en quatrième position, on a As avec 46 points. Donc As récupère 4 points par rapport au tableau que vous voyez à l'écran. AlphaTauri 40 points, il récupère 10 points. Non, il perd 10 points. Et oui, parce que vous le voyez, ils sont à 50. AlphaTauri, bah là, ils sont officiellement à 40. Donc une perte de 10 points pour AlphaTauri. Ensuite, on a l'écurie Williams qui est sixième avec 36 points. Donc Red Bull est septième avec 33 points. Donc Williams qui gagne 2 points et Red Bull qui perd 1 point. Alfa Romeo huitième avec 24 points, ils perdent 1 point. Mercedes neuvième avec 24 points, ils ont perdu. Non, avec 23 points, pardon. Ils ont perdu 1 point. Et McLaren dixième gagne un petit point. Donc voilà, c'est les petites modifications que je voulais apporter par rapport au classement de ce championnat. Du coup, je vais changer de musique. Voilà. Voilà, parfait. Donc, tac, 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 tac. Donc, je regarde vos messages, justement, dans le chat. On peut noter la grosse erreur entre As et AlphaTauri. Ah, il y a eu pas mal de soucis, effectivement, dans l'établissement du classement, donc sans compter les modifications qui ont dû être apportées. Pap. Ah ouais, donc ouais, c'est Colonel Moutarde qui a effectué les visuels. Colonel qui d'ailleurs a terminé premier de. Il a terminé premier de la division 2. Je tenais à le souligner. Donc voilà, du coup. Bah, n'hésitez pas à donner votre avis hein, pour ceux qui sont encore présents dans le chat. Il est 22h29. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, je vais regarder si. Alors, je vais regarder un truc là. Ah, voilà, parfait. Ça va être cool. Ce que je vais vous poser, ce que je vais vous proposer, mes chers amis, c'est que avant de se quitter, je vous propose qu'on aille lancer un raid sur la chaîne Twitch de Reporter GG et d'encourager notre ami Grammy qui est en train de diffuser les dernières rencontres de la saison de la e-Pro League qui est un championnat club pro organisé sur FIFA 23. Donc voilà, on va envoyer plein de force à l'équipe de Reporter GG et à notre ami Grammy. Et d'ailleurs, à propos de club pro, n'oubliez pas que au mois d'avril, ça sera la reprise des compétitions Club Pro sur Volta TV avec la diffusion des journées de l'EFL Final. Parce que oui, il y a l'EFL Final qui va se jouer à partir du mois d'avril. Donc c'est la dernière ligne droite avant la fin de la saison sur FIFA 23. Donc voilà, du coup, c'était ce que je voulais dire. Donc voilà, on envoie plein de force à notre ami Grammy. Pour ma part, je vais m'arrêter là, mes chers amis. Je vais regarder la suite et la fin du match entre l'Irlande et l'équipe de France. Toujours 1-0 pour les Bleus. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de soirée, mes chers amis. Et je vous dis à lundi prochain pour la suite du championnat et les fins. Et attention, parce qu'il y aura peut-être d'autres streams cette semaine sur Volta TV. Pour l'instant, j'ai pas trop. Comment vous dire? Pour l'instant, j'ai pas d'autres infos là-dessus. Je vous en dirai plus
je vous en dirai plus le moment venu. Après tout, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Volta TV. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de soirée. C'était Onizuka sur Volta TV. Et je vous dis à très bientôt sur Volta TV pour la suite du championnat LF1. Ciao.